La reine n'assistera pas au dévoilement d'une nouvelle statue de la princesse Diana au palais de Kensington la semaine prochaine, car elle sera en Écosse. Le prince Harry arrive de Californie pour l'occasion, malgré les tensions avec la famille royale au sens large. William assistera également au dévoilement, qui aura lieu le jeudi 1er juillet. Cependant, la monarque conclura son voyage en Écosse, conçu pour promouvoir l'innovation et la culture du pays. Au cours de sa visite, elle séjournera au palais de Holyrood House à Édimbourg. La reine visitera des organisations caritatives et des entreprises dans la capitale écossaise, Glasgow et Stirling. Le prince Charles sera également en Écosse lorsqu'Harry reviendra sur le sol britannique. Harry et William ne se sont pas rencontrés depuis les funérailles du prince Philippe en avril, lorsqu'ils ont été photographiés en train de parler après le service au château de Windsor. Les relations entre les Sussex et les principaux membres de la famille royale se sont fortement détériorées en mars, lorsque le couple a accordé une interview explosive à la légende du talk-show américain Oprah Winfrey. Meghan a allégué qu'il y avait eu des inquiétudes et des conversations au sein de la famille au sujet du teint des Archie, avant sa naissance en 2019. La duchesse a également affirmé qu'elle avait du mal à obtenir un soutien en matière de santé mentale au sein du système royal. Le dévoilement de la statue de Diana a lieu le jour de ce qui aurait été son 50e anniversaire. Le monument est situé dans le Sunken Garden du palais de Kensington. Meghan restera en Californie pour s'occuper de sa fille, Lilibet Diana, née au début du mois. S'adressant au Daily Mirror, un initié royal a déclaré que la duchesse de Cambridge prévoyait d'y assister. Ils ont déclaré. La duchesse a vu ce projet évoluer de sa conception à l'article fini et souhaite sans aucun doute être là pour soutenir son mari. Nul doute qu'il y aura des tensions entre les Cambridge et Harry, mais ils reconnaissent tous que malgré les problèmes évidents et profondément enracinés entre eux, ils veulent que la journée soit uniquement consacrée à l'héritage durable de la princesse de Galles. La reine sera rejointe en Écosse par le prince William lundi, puis par la princesse Anne mercredi.